Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C19 à Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler du Floki et bien sûr de la chaîne Floki Inu que j'ai créée concernant le Floki. Hein. C'est un meme coin que j'ai investi depuis 8 mois. Et bien sûr, je vais vous en parler brièvement, mais vous pouvez retrouver les vidéos sur cette chaîne-là. Donc, pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, au Floki Inu. Mais bien sûr, c'est surtout le projet Flokify que je vais vous parler, car le Floki est en passe de passer un cap pour un meme coin. Et ce qui est intéressant, c'est le Flokify. Donc, juste avant, on va aller directement sur le prix du Floki. Alors, le Floki Inu, à l'heure actuelle, sa market cap est de 53 millions de dollars et son prix de 0,00008, donc 5 zéros après la virgule. Et ce qui est intéressant, il a connu réellement un dump, mais progressivement, indirectement. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, Flokify, pour ceux qui ne savent pas Floki, hein, l'histoire du Floki en général, le Floki a connu son mort de gloire à l'époque du Shiba, quand Elon Musk a tweeté sur la photo du Floki, donc ça a propulsé le Floki à un niveau assez élevé, un point de vue market cap, il avait atteint le milliard, il avait réellement perfé, hein. Il n'y avait pas que le Shiba, il y a aussi le Floki, donc il a rendu énormément de personnes millionnaires, je pense. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec le Floki, c'est son écosystème, son marketing et bien sûr ses partenariats. Et bien sûr, il a énormément de partenariats qu'il a eu en début 2022, entre 2021 et 2022. Il y a eu des clubs comme Bayern Leverkusen, FC20 ou encore Naples, pour ceux qui connaissent le football. Et bien sûr, ils ont aussi un partenariat avec la F1, avec Alfa Romeo. Donc, point de vue marketing, ils sont très très forts. Ils ont réussi à faire un marketing extraordinaire par rapport à ce meme coin. De plus, ils ont réussi à faire énormément de publicité, comme je vous ai dit, à Londres, via des arrêts de bus ou encore de métro. Donc, il y a eu énormément de choses concernant cela. Ça a même interpellé le gouvernement anglais pour une publicité indirectement concernant la point de vue juridiction par rapport à l'investissement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le projet Floki sur long terme. Donc, le Floki est en train de créer un play to earn qui s'appelle Valhalla. Et bien sûr, il est en train aussi de créer un écosystème lié à Flokify. Et Flokify, c'est le premier protocole. Le Floki va utiliser le premier protocole 1155 ERC, donc sur la blockchain Ethereum. Et ce qui est intéressant avec ce protocole, ça permettra beaucoup de choses déjà de fait que, comme je vous ai dit, de concurrencer directement Uniscript. En directement, ils veulent faire comme Uniscript, permettre aux personnes qui veulent créer un smart contract de log leur token. Et derrière tout cela, ça permettra de prendre une taxe via chaque smart contract qui seront log sur leur plateforme. Et bien sûr, ça permettra indirectement de burn des tokens sur le long terme, car le Floki à l'heure actuelle ont une stratégie. On sait par rapport au token, on est prélevé entre 3% à l'achat et 3% à la vente, ce qui fait indirectement le marketing du Floki. Mais le Floki veut retirer cela car le Flokify arrive très vite. Et ce qui est intéressant, c'est s'il retire réellement cette taxe, ça pourrait propulser le Floki très rapidement à être listé sur des plateformes comme Binance ou encore Coinbase. Donc, faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, Flokify, j'ai fait des vidéos concernant sur ma chaîne Floki by 19 Crypto, vous avez toutes les vidéos pour le moment, j'essaierai d'en faire un peu plus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, vous aurez tous les détails du Floki concernant ce projet. Sincèrement, c'est réellement l'un des meilleurs meme coins que je pense, hein, sincèrement, comparé au Floki, car ils vont réellement créer un Flokify, comme je dis, un protocole ERC 1155. Et derrière tout cela, ça permettra de burn, bien sûr, de faire des profits via cette plateforme qui permettra de log des tokens. Mais c'est le premier protocole, c'est le Floki, c'est les premiers à avoir utilisé ce protocole-là. Personne ne l'a fait pour le moment. Donc,
C'est exceptionnel pour un meme coin. Et bien sûr, d'un côté, ça permettra de prendre le marché d'Uniscript un peu. Donc, faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est un réel projet. De plus, on peut les retrouver sur Reddit. Hein, voilà, on peut voir un article concernant Reddit sur le ERC 1155. Et derrière, bien sûr, le Floki est en train de développer un DAO, hein, ce qui permet de décentraliser. Et derrière, on peut voir qu'ils ont fait énormément de choses concernant des écoles liées à l'éducation, blockchain et crypto-monnaie. Donc, parmi les mêmes coins, je pense qu'il fait partie du top. Et pour moi, je pense que ça sera l'un des mêmes coins qui pourrait exploser. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais pour ma part, il a un réel potentiel. Pour le moment, le marketing, ils font moins de marketing, ils sont plus focalisés sur Flockify. Et quand viendra Flockify, là, ils feront un marketing exceptionnel. Donc voilà pour cette courte vidéo concernant le Flocky. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.